Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester le ballon de la Coupe du Monde. On va voir s'il est résistant en effectuant une centaine de tirs dans les buts derrière moi. Je serai accompagné du caméraman, on effectuera 50 tirs chacun et on verra si le ballon va tenir la route sans plus attendre. C'est parti. Allez, c'est parti. On va ouvrir le ballon de la Coupe du Monde. Donc déjà il est dans un magnifique carton. On va l'ouvrir. C'est parti. Oh, oh là 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 là, regardez les gars, le ballon de la Coupe du Monde. Allez, on va le récupérer. Oh là là là. Ah, il est magnifique. Le ballon de la Coupe du Monde, il est vraiment incroyable. Au niveau des couleurs, c'est majestueux. Regardez ces couleurs. T'as du orange, du jaune. Franchement, le ballon, il est top. D'ailleurs, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager. Le caméraman est de retour. Salut à tous. Et il va participer au 100 frappes challenge. Et on va commencer sans plus attendre par le challenge des 3 ballons. Règle importante, le ballon ne devra pas toucher le sol avant d'entrer dans les cages. Sinon, le but ne sera pas validé. Ok? Ok, ça marche. C'est parti. Premier tir pour Star Freestyle. Oh non! Les gars, j'ai touché la lucarne. Elle aurait pu être magnifique, les gars, celle-là. Elle est autour du caméraman. Et... yes! Oh, elle va être magnifique, celle-là. Regardez les potes. Oh, oh là là! Ah là, elle était puissante. Let's go! Pour l'instant, le ballon de la Coupe du Monde, il est très bien. On sent bien la frappe. Regardez ça. Petite extérieure, flottante, c'est parfait. Pas ça. Mal. Pour le moment, sur les frappes, on sent bien le ballon de la Coupe du Monde. On va continuer comme ça, essayer de mettre plus de volume pour essayer de voir si le ballon, il est résistant ou non. C'est parti! Oh! Là, les gars, j'ai tiré. Franchement, la balle, elle part super bien. J'ai pu donner un petit effet. Mais on n'a pas visé la lucarne. Mais on a essayé de tirer assez fort pour voir comment réagit la balle. Oh, j'ai fait glisser. Ouh. Les gars, j'ai glissé, mais la balle est bien partie. Du caméraman pour le 5e tir. Oh, il a fait la même que moi. Oh, oh, elle est magnifique, les gars, placée sur un côté. 5e tir pour le caméraman. Oh non. Ah, dommage, celle-là, on peut pas la valider par contre. Malheureusement, le caméraman sur cette frappe touche le sol avant de rentrer dans le but. Surtout que tu fais deux rebonds. À la limite, un rebond, on peut laisser passer. Mais deux rebonds, les gars, c'est trop. J'ai eu chaud, les potes. Le ballon, il rentre quand même derrière la ligne, heureusement. Oh non. Oh, là, 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 là. Le caméraman, il s'est passé quoi? Ah, mais tout à l'heure, j'ai tiré trop bas. Maintenant, je tire trop haut, comme d'habitude. On va essayer de viser la lucarne droite opposée. C'est parti. 8e tir. Oh, oh là là. Elle est magnifique, celle-là. Magnifique. Let's go. 8e frappe pour le caméraman. Let's go. Non. Oh non. Les gars, j'ai encore une fois de plus touché là-bas. Oh, j'ai trop le seum. On la met. Dernier tir pour Star Freestyle. C'est parti. Avec un gardien, ça serait un peu plus compliqué, mais là, l'objectif, c'était de mettre tous les ballons dans les buts sans toucher le sol. En tout cas, top, le ballon de la Coupe du Monde, franchement, je trouve plutôt bien pour faire des frappes en reprise de volée. Allez, cette fois-ci, on la met en pleine lucarne, mais... oh non, le caméraman, il n'arrivait plus, les potes, à mettre des buts. Il s'est passé quoi, le caméraman? Je sais pas, il y a des jours avec et des jours sans. Il reste 80 tirs, on peut carrément j'en se rattraper. C'est parti pour le prochain challenge. Le challenge des pénaltys. Tu es prêt, le caméraman? Je suis ultra prêt. Allez, c'est parti. On va commencer avec le caméraman au goal et on va alterner. Et celui qui met le plus de buts gagnera avec le ballon de la Coupe du Monde. C'est parti pour 20 tirs supplémentaires avec le ballon de la Coupe du Monde. Let's go. Oh, allez, c'est mon premier pénalty. Vous allez voir, je vais faire que déplacer. Eh ouais, Star Freestyle, il a eu peur, mais vu la frappe. Là, les potes, c'était en puissance sur le côté, comme ça le gardien ne pouvait rien faire. Let's go! Oh non! J'ai toujours le petit réflexe de la crossbar challenge. Eh ouais, les gars, là, je l'ai pris à contre-pied, il a rien vu venir. Ah ouais, mais. Les gars, no look. En fait, on regarde pas le ballon et on essaie de tirer le pénalty. Je pense qu'elle est plutôt bien placée. Oh non. Et ouais, surtout qu'il fait ultra froid. Là, il fait combien? 5-6 degrés. Donc imaginez quand le ballon, il tape notre main, ça fait mal. Et ouais, surtout que le ballon de la Coupe du Monde, il est quand même dur. Ah ouais, c'est chaud. 5e but. Oh non. Oh là 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 là, les mani. Si. Oh non! Les gars, je crois que le gardien ne peut rien faire, c'était le 7e tir. Oh, les gars, j'ai touché la barre et le poteau, mais il n'est pas rentré, ça aurait été le but de l'année. Oh non! Eh, c'est une panenka un peu! Mais bravo à toi, le caméraman! Allez, bien joué à toi! Et on continue sur le prochain challenge,
C'est parti. Au prochain challenge, il va falloir qu'on mette les ballons dans les buts en tirant depuis la ligne présente sur les côtés des buts. Il va falloir enrouler le ballon et le rentrer dans les cages. C'est pas un challenge très très facile, c'est plutôt difficile. On aura 6 ballons ici et on aura 4 ballons point de corner. Celui qui en met le plus entre Star Frizzal et le Caméraman gagnera ce duel. C'est parti, on tire toujours avec le ballon de la Coupe du Monde et on voit s'il arrive à faire des effets incroyables. C'est parti. Oh, yes. Yes. Validé. Oh. Oh ah là là. Oh. Oh, yes. Oh. Les gars, on a réussi, troisième ballon, ok. Oh non. Oui. Oh non. Oh non. Bon les potes, j'arrive pas depuis tout à l'heure, c'est vraiment compliqué. En gros, j'arrive pas à mettre le lift. Je le mets au début, mais après le ballon il lifte pas assez. Regardez. Oui, oui, yes. Yes les gars, on l'a mise. Oh. Oh. Yes. Oui, oui. Let's go. Ça c'était facile les potes. On passe maintenant au point de corner. Let's go. Oh non, non. Je pense que les corners sera plus facile parce qu'on a un plus grand angle pour enrouler la balle. Oh. Oh. Oh ah non, non. Oui. Let's go. Le deuxième tir les potes, il est rentré. Oh là là. Les gars, à chaque fois, il doit aller chercher le ballon tout au fond. Donc il court beaucoup, il fait le cardio aujourd'hui. Oui. Yes. Non, elle rentre. Oui, oui. Oui. Les potes, dommage sur la dernière, malheureusement ça passe pas. En tout cas on en a mis 3 sur 4. Je pense que c'est plutôt un bon score. Let's go. Oui. Elle rentre. Elle rentre. Non. Oh, elle passe juste à côté. Prochain défi, le défi freestyle. Il va falloir tester ce ballon de la Coupe du Monde en effectuant un geste de freestyle. Et ensuite, on tire dans les buts et on voit comment ça se passe. Est-ce que le ballon est confortable pour jongler avec? Est-ce que le ballon de la Coupe du Monde vaut le coup? C'est parti. Freestyle. On va commencer tranquillement avec un double tour du monde. Franchement, ça va. Ok les gars, maintenant c'est à moi de faire des gestes de freestyle et mettre une grosse frappe. Bon, moi je suis pas freestyler, c'est plutôt Star Freestyle qui l'est. Oh, cinquième geste. C'est parti. Oh. Yes. Oh. On a fait une tempe et ensuite une frappe. Franchement, le ballon il est plutôt agréable avec la tête, donc ça parfait. Oh. Elle était compliquée celle-là. Ouais, elle passe avec la pente. Je sais pas si elle passe celle-là. Oh. Oh là là, oh il nous a fait le rugbyman comme tout à l'heure. Ouh. Allez, on va jongler des genoux et après but. 1. 2, 3, 4, 5 et... Yes. Wouh. On va couvrir la tête. Oula. Oh. Oh, oh oui. Et... Oh. Oh, oh Lucas. Magnifique. Oh, on part maintenant sur le dernier défi. Il va falloir tirer fort avec le ballon de la Coupe du Monde. Et voilà les potes, on met des actions et on frappe. Et au goal, il y aura le caméraman et on échangera. On fait chacun des frappes et on voit comment ça se passe. C'est parti. Les potes, le ballon de la Coupe du Monde, il a des trajectoires bizarres un peu, il tourne dans tous les sens. Oh non. Yes. Troisième but, magnifique. Et... Wouh. Quatrième but. Avance le ballon.
Oh là là. Le gardien arrête le ballon. Les gars, cinquième but. Oh non! Oh. Franchement, sur le ballon de la Coupe du Monde, il y a des petits effets sympathiques qui peuvent déstabiliser un gardien. Oh. Oh. Il peut rien faire à rater sur le côté, magnifique. Oh non! Oh, yeah, yeah. Oh. Ballon comme ça? Et voilà, on vient de terminer la vidéo où on a tiré 100 fois avec le ballon de la Coupe du Monde. Franchement, tu en as pensé quoi le caméraman? Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un très bon ballon. J'ai trouvé très rigide ce ballon. J'avais déjà entendu à la télé que ce ballon avait des trajectoires un peu de foot, comme le ballon qu'on a pu tester récemment sur la chaîne YouTube. Ouais, exactement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé donc de cette vidéo du ballon. Est-ce qu'il vous a impressionné? Est-ce que vous le trouvez beau? Dites-nous dans les commentaires. Hâte de dire ce que vous avez pensé du ballon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Et nous, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao les boss, salut.